Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière sur Dirt Rally 4. Donc le premier épisode a été plutôt bien accueilli, donc on va continuer. Alors pour par exemple Antonio qui se demande si on a uniquement du contre-la-montre, donc du rallye, ou si on va avoir des courses avec d'autres adversaires, oui. On a le Land Crush avec des petits buggy, on a du rallye cross, je crois même qu'on a des courses de camions. Donc des petites courses de camions, donc voilà, il y aura des courses avec d'autres véhicules, ne vous inquiétez pas. Alors, on en était où là, donc, Open National des États-Unis. Donc, autant pour moi, sur la dernière fois, j'ai dit une connerie. Je pense que je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier, j'ai dit Opel Micra. Donc non, c'est Nissan Micra, donc j'ai plus le nom de l'abonné. Encore une fois, je suis désolé, c'est vrai que j'ai pas la mémoire des noms. Donc un grand merci à lui, hein, il se reconnaîtra assez facilement parce qu'on a débattu là-dessus, vu que moi j'insistais en plus comme un con. Donc encore, toutes mes excuses pour avoir dit Opel Micra au lieu de Nissan Micra. Mais comme il m'a dit, l'erreur est humaine, donc il n'y a pas de souci. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on va réussir à faire. Donc sur le rallye du Michigan. Allez, c'est parti. Démarrer la spéciale, ok. On devrait envisager des améliorations. Une victoire devrait rapporter pas mal. Ok. Donc là, on est avec la petite Ford. Alors c'est pareil. On m'a demandé d'essayer vue intérieure. Donc on va essayer sur la première. Après, je suis pas un... Je suis pas du tout un pro de la vue intérieure. Hein. Loin de là. Ouais, je me suis bien loupé là. Allez, allez. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus réaliste. Hein. J'ai lâché le frein à main. J'ai tendance à le faire un peu trop tôt. Après, je la trouve assez intéressante, j'avoue. Cette vue intérieure. Moi qui d'habitude ai du mal, pour une fois je la trouve très bien faite. Gauche 6 sans couper. Ok, j'ai. Gauche 4 long, reste intérieur, sans couper. Voilà, 250. Droite 4 long, reste intérieur, sans couper, 60. Allez, c'est bien. Droite 5 sans couper. Et droite 4 sans couper, 100. Gauche 4 et droite 6 et gauche 5. Allez, c'est bon. Pour l'instant, ça passe tranquille. Je suis désolé, je suis très concentré. Pour l'instant, ouh, ça passe. Je suis passé très très près de l'arbre. Hein. Ça passe plutôt bien là. Gauche 5, 60. Aïe 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 aïe. Allez, vite, 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 vite. Ralentis jusqu'au juge. Allez, putain, je me suis loupé à la fin. Très bien. Bon, j'ai 7 secondes d'avance. Mais je vais avoir un peu abîmé la voiture. Mais, ouais, honnêtement, c'est pas mal. J'avoue que la vue intérieure est assez intéressante. Ça permet quand même vraiment de se rendre compte de la vitesse, du truc qu'on n'a pas forcément... Même si moi j'utilise une vue capot, j'utilise pas une vue extérieure, ça permet vraiment de se rendre compte un petit peu de la vitesse à laquelle on roule réellement. Alors, Humber Forest toujours, dénivelé 0 mètre, 4,32. Donc là j'étais premier avec 7 secondes d'avance, donc rien de bien compliqué au niveau du temps. Donc ça devrait quand même le faire assez facilement. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire par la suite. Allez, vas-y. On va réparer le véhicule. Je ne répare pas. C'est un petit peu de carrosserie. Et le problème, c'est que si je répare, je vais avoir des pénalités financières au niveau bonus. Donc, je préfère ne pas réparer. Hein, c'est plus intéressant. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Le 6 sur 13 en descente. 60. Parfait. Bon départ là. Droite 4 long. Et droite 6, 200. Droite 4 long, reste intérieur. 60.
Très bien. Descente, aiguille sur droite 5 et gauche 6. Ah, c'est vraiment bien fait. En plus, le passage avec la flotte là. 60. Attention! Droite 4. Je me suis complètement foiré. Le petit passage de la flotte là, c'est assez bien fait avec les essuie-glaces. J'étais pas du tout attentif en plus à ce qu'il me disait. Je me concentre un peu. Et droite 6 et gauche 5. Oula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 . Non, je fais n'importe quoi. Je suis pas concentré du tout. Allez, je me concentre un peu, je suis désolé. Gauche 5, 200 sur 9. Essayez de faire ça comme il faut sur la fin là, parce que là j'ai déjà fait un tonneau. Droite 6 et gauche 5, 40 descente. Droite 6 sur crête. Allez, c'est là. 6 et gauche 5, j'ai un bruit. 40 descente. Ça pourrait être un problème de rapport. Droite 6 sur crête, 150. Droite 4, 2 mètres intérieur, 80. Je fasse attention. Je pense que le fait d'avoir fait le tonneau, ça n'a pas aidé. Et voilà, j'ai qu'à m'arrêter carrément. Gauche 6, sans couper. Ah, elle s'est remise. Gauche 4, 250. 200 sur gauche. Elle s'est remise. Tu répingles. Gauche 5, 60. Virage droite serré. Et droite 6, long 80. Ah, il faut absolument que je règle ce problème de frein à main parce que ça me pénalise beaucoup trop, je perds beaucoup trop de temps. Sans couper. Et droite 6, sans couper. 100, gauche 4 sur crête. Et droite 6, et gauche 5. Ouais, ouais. Alors ça va être l'avantage pour ceux qui jouent en. J'ai carrément monté la voiture. Ouais, le pare-brise. Par contre, c'est bien fait. On voit le pare-brise qui se fissure au fur et à mesure. Aïe 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 aïe. Ouais, je me suis foiré complètement. Ok, amène là au juge. Je suis à 8 secondes du premier quand même. Hein. J'ai fait une spéciale de merde, faut le dire. Aïe 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 aïe. Là, il va falloir que je la recommence. Les 5 premiers au classement des voitures. Ouais, pilote, je suis pas bien. Hein. Résultat de la spéciale deuxième, classement épreuve deuxième. Aïe aïe aïe, ça craint. Je vais pas avoir le trophée en or, je pense pas là. Ah ouais, deuxième. Ah, c'est chiant ça. Ah, j'ai pas bien joué du tout. Du tout. J'ai pas été bon. Deuxième, ma foi, tant pis. Mais c'est ma faute, honnêtement. J'ai voulu essayer la vue à l'intérieur. C'est très immersif, voilà, on se rend bien compte des choses, mais après voilà, il faut être capable de jouer avec, et moi c'est pas forcément mon cas. Donc épreuve 2 sur 2, spécial 1 sur 2, donc là il faut vraiment que je cartonne. Donc je vais me remettre dans la vue que je voilà, que j'affectionne le plus, dira-t-on, hein, c'est la vue capot. Par contre il faut absolument que il faut que je trouve comment régler ce souci de frein à main. Parce que pour moi c'est vraiment un problème. Parce que en fait, quand on sert du frein à main, il faut pouvoir rétrograder pour repartir très vite. Et le problème c'est que moi étant en manuel, quand je fais le frein à main c'est rond, et pour rétrograder c'est carré. Et donc du coup je peux pas lâcher pour aller passer. Si je lâche le frein à main, bah forcément le frein à main a plus lieu. Donc la voiture s'arrête de tourner d'un coup. Donc il faut absolument que je trouve comment régler ce problème au niveau de l'assignation de mes touches. Droite 6 et gauche 5, 40 en descente. Droite 6 sur crête, sans couper. Droite 5, sans couper. Et droite 4, sans couper. 80, droite 4, non. Et droite 6, 100. Gauche 6, sans couper. Pour l'instant, je suis bien en place. La voiture, elle est bien. Gauche 4 long, reste intérieur, sans couper, 250. Droite 4 long, reste intérieur. Attention. Couper, allez, voilà, pas aller taper fort. Bon, même si je vais taper, faut pas y aller fort. Et droite 4, 60. Droite 5, reste droite. Parfait. Crête 60. Virage gauche serré 60. Crête 200.
Vous voyez là, normalement, je devrais pas avoir ce problème. La voiture devrait pas. Vous avez, je sais pas si vous avez fait attention. Au moment où elle s'est mise face à la route pour repartir, elle a eu un petit moment où elle partait en marche arrière. Tout simplement parce que j'étais en train de rétrograder. Donc du coup, ça aide pas. Et comme je lâche le frein à main, la voiture, elle continue sa route au lieu d'essayer d'aller vers l'avant parce que je rétrograde. Et gauche 10, droite 5, reste droite sur crête 60, virage gauche serré 60, crête 150. Alors certains vont me dire, pourquoi moi j'y arrive? Alors si vous jouez en automatique, c'est normal parce qu'en automatique les rapports tombent tout seuls. Donc forcément quand vous utilisez votre frein à main, hop, la voiture va avoir tendance à passer les vitesses toute seule, donc à passer si vous êtes en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 si nécessaire. Et donc du coup vous n'allez pas avoir cette sensation de perte de vitesse autant que ce que j'ai moi. Donc il faut absolument que je trouve le truc. Et voilà. Et là, on coupe le marmite. Oh non, j'ai pris 11 secondes de pénalité, je suis allé trop loin. Je suis sorti beaucoup trop de la piste là. J'ai dû aller côté spectateur. Ah là 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 là. Ça va, je suis toujours premier. Mais il faut absolument que je trouve comment faire ce truc parce que là ça devient vraiment vraiment trop pénalisant. On va faire la deuxième spéciale et je vais regarder un petit peu, je vais juste faire une petite coupure, je vais regarder un petit peu dans les paramètres comment moi avec la manette essayer de faire. Mais c'est vrai que c'est pas... Alors soit je mets le frein à main sur croix et ça me permet en plus peut-être d'utiliser la touche carré avec mon pouce. C'est une possibilité. On va essayer tout de suite à la limite, ça j'ai pas besoin de faire de coupure pour changer ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est peut-être la meilleure possibilité, la meilleure solution pour régler ce petit problème-là. On va regarder. Donc là, j'aurai pas de réparation. Allez, ça, ok. Donc là, je suis premier, mais j'ai pas beaucoup d'avance. Donc il va vraiment pas falloir que je fasse le con. Commande, affectation des touches. Donc l'embrayage, pour l'instant, nous, on s'en fout. Voilà. Très bien. Je pense que ça peut être intéressant comme ça. On va essayer, on va voir un petit peu. Mais je pense que ça peut être la bonne combinaison de touches pour le coup finalement. Pour une course sans accro. Le juge n'a rien dit, alors reste concentré. Pourquoi il a rien dit, pourquoi il a quelque chose, mal. 5, 4, 3, 2, 1, parfait. Crête. Et voilà. J'ai gagné plus de temps pour démarrer. Virage droite 2. Et droite 4. Ah, c'est mieux, ça a été mieux déjà. Et même si c'était pas une épingle, c'était juste un droit de 2. J'ai perdu moins de temps. Hop, hop, hop. Ah non, je fais n'importe quoi, je veux tellement me concentrer là-dessus, je fais n'importe quoi sur cette putain. C'est un truc de fou. Hein. Je pense que je vais jamais réussir à aller passer comme il faut. Pas avec le frein à main, mais alors à mon avis, il va falloir que je fasse l'appel contre appel et c'est pas ma spécialité. Allez. Gauche 4 et droite 6 et gauche 5. Droite 4 monte, sans couper, et droite 6, sans couper, 80, droite 5, gauche 5, et épingle ouverte gauche, 200. Ouais, plus de temps. Je pense que je peux pas mettre plus de temps honnêtement. J'ai eu beau faire l'appel, là j'ai tenté, l'appel contre appel, il a pas. Ça a rien.
Ok, reculez en plus. Allez. J'ai quand même 7 secondes d'avance, mais honnêtement, au niveau du truc, c'est pas vraiment beau à voir au niveau des épingles. Hein. Superbe spécial. C'est. Il va falloir, à mon avis, que je fasse quelques petites sessions d'entraînement là-dessus parce que c'est pas super intéressant. Vraiment, normalement, les épingles, c'est le truc le plus beau à voir. C'est la voiture, le mec il arrive dans l'épingle, il met un coup de frein à main, il tourne. En fonction du revêtement, bien sûr, hein, on met pas un frein à main sur tous les revêtements. Mais c'est vrai que. Il faut vraiment que je travaille ce truc-là parce que je sais pas pourquoi. Deuxième ? Ah, je suis deuxième au général. Dommage. C'est pas grave. On peut pas tout gagner. Ça me pénalise pas pour continuer. Donc on va pas le refaire. C'est pas le but. Hein. Si je veux le refaire, je le referai en vidéo, bien sûr. Donc là, on le voit. Hein, j'ai la médaille d'argent. Donc R3, on va tenter d'aller. Là, moi j'en ai une voiture. Donc je peux faire avec ma voiture. Très bien. Donc on va aller lancer ça. Moi, je vais juste faire une petite coupure, deux petites secondes, et on se retrouve au démarrage du rallye. Allez, nous voici donc à Fitzroy, en Australie, pour une nouvelle spéciale. Vous voyez, un nouvel angle de prise de vue avec la caméra. On va voir un petit peu ce que ça donne. On est avec mon écurie, donc ma voiture, Mitsubishi Lancer Evo 10. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec. Maintenant que vous pouvez, hein, vous pouvez gérer les pièces qui sont montées avant, hein, ceci est très important pour conserver un bon état et éviter de grosses factures de réparation. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire avec notre voiture, hein, ça va changer des voitures qu'on avait là. Leader de la catégorie, Rousseau, 3 minutes 08. On sent déjà un peu plus de patates. Hein. 3 et crête 3. Sur gauche 2. Gauche 3 se resserre. Sur droite 4 se resserre. Et remonte. Je suis pas là pour faire de la tondeuse à gazon, putain. J'ai voulu utiliser le frein à main, j'aurais pu. Bah, faut que j'arrête avec ce frein. Gauche 4 se resserre. Sans couper et droite 3. Et très bien. 4, sans couper, 60, 3, 60, sans couper, 2, sans couper, et crête, 3, 3. Ça peut très bien passer. Ah, j'aurais pas dû passer la ligne. Et 3, 4. Allez, c'est bien. Pour l'instant, ça va. Combien ? Je suis premier. 3 secondes d'avance. Wouah ! Voilà, j'ai été tapé. Violemment. Putain, comme un con, j'ai pas freiné. Eh ouais, il y avait une bosse. J'ai fait n'importe quoi. Je fasse attention à ces bosses. Oh mais merde! Oh! Eh mais je fais n'importe quoi. Je le dis. Et derrière, il y a encore une bosse avec un virage qui arrive, mais voilà, moi je. Et par contre, c'est une catastrophe la voiture. J'arrive plus du tout à rien faire. Je pense que je l'ai beaucoup trop abîmé. Et crête, petit peloton, 80, 3, 3, sur gauche 2, gauche 3. Et épingle ouverte droite. Allez. Et là, j'ai utilisé le frein à main, mais là, honnêtement, c'est vraiment pas une belle spéciale. Hein. Toujours premier, je sais pas comment je fais. Serre à gauche sur crête, 80, serre à droite sur crête, 80. Attention, crête, gauche 2. 60 en descente. Ouais, par contre, non, je fais n'importe quoi. Même moi, je suis en train de me souber, là, tellement c'est horrible ce que je suis en train de faire. Là. Et crête droite 3. Sur gauche 2. Gauche 3 se resserre. Sur droite 4. C'est vraiment une catastrophe. C'est catastrophique. Gauche 5, 60.
La voiture a tendance à partir maintenant dans tous les sens, forcément. Vu comment je l'ai cabossé. C'est bon, ça te va là? Un formidable résultat. Ah ouais, tu parles. Allez, t'as de la bagnole, elle est explosée la caisse. Ouah, c'est un truc de dingue. Ouais, continuez. Ah non, franchement, c'est catastrophique ce que j'ai proposé là. Ouh. Ah, même moi, ça me saoule là. Que bon, déjà, la route est pas super large. Mais alors, en plus, je dis qu'il faut que je fasse attention dans les lignes droites à la bosse. Et qu'est-ce que je fais le coup d'après? Eh bah, vas-y, roule. Roule comme un taré. J'ai fait n'importe quoi. On est à Bukarumbi. Bukarumbi Farm, Fitzroy, Australie. Ok. Voilà, à mon avis. Et encore, j'ai pas la réparation possible. Ah ouais, elle a connu elle est magnifique. Jours, mais elle tourne bien. Bonne chance. Il est gentil, lui. Hein. Ah, il est gentil, hein, connu meilleur joueur. Ah, ouais, c'est sûr. Pire, je pense pas. Enfin, on sait pas, on a pas fait la spéciale encore. Allez. À essayer de s'appliquer sur sa spéciale là. Vraiment me concentrer. Ah, déjà, ça me connaît. Je dis ça, premier virage, c'est possible. Je vais essayer d'arrêter de parler un petit peu là. N'en voyez pas. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je peux rien faire, la bagnole elle part dans tous les sens. Elle part vraiment dans tous les sens, celle-là. Cette bagnole, c'est. Ouais, wow, c'est une merde, hein, femme. Crête qui serre à droite sur crête. 110 en descente. Je peux rien faire, je peux pas la contrôler. J'arrive pas du tout à la contrôler quoi, cette voiture meurt pas du tout quoi. Mais je vais aller voir pour acheter autre chose parce que c'est pas possible. Ah, je vais faire des réparations, hein. Tant pis, je vais perdre un peu d'argent sur les bonus. Mais c'est impressionnant quoi, dès que je tourne, j'ai tout qui part. Ah, le jeu est le drone, c'est joli. Tu ne repasses pas pour partir. Mais. Ah. Ouais, c'est pas possible, c'est un sketch. C'est un sketch, la bagnole. Oh là là là, elle tourne pas. Donc, quand je ralentis, elle tourne pas. Et dès que je réaccélère, elle part du cul. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Ouais, j'espère que c'est le fait de l'avoir abîmé parce que je me dis que quand je vais la réparer là, ça va m'aider. Mais... Voilà, j'étais carrément. J'ai fait de la tondeuse. Mais... Ah, c'est pas possible d'avoir une voiture aussi catastrophique que ça! Vas-y, arrête. C'est bon? Merci. Voilà, spécial ouais, terminé. Je suis deuxième. Les de la spéciale ont été confirmés. Pas dernier, je suis deuxième. Quelle catastrophe, cette caisse! Oh! Ah ouais, non, c'est une honte, cette bagnole. Non, mais moi, il faut absolument que je change ça, c'est pas possible, quoi. Oui, dès que je. Allez, je veux prendre un virage. Je freine la voiture. Dès que je veux tourner. Elle part vers l'extérieur, alors que je suis à vitesse, on va dire, normale.
Si je freine un peu plus, ça fait ça. Ben, je veux dire, elle a aucune tenue de route. La tenue de route est catastrophique. C'est pas si je freine un peu plus, c'est dès que je réaccélère. Alors, et je parle pas de réaccélérer très fort en plus, parce que je dose mon accélération. Et la voiture, elle part dans tous les sens. C'est une catastrophe, cette caisse. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Hein. Hop, 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 non. Oh, j'ai mis non, putain. A priori, les multiples chocs n'ont pas. C'est con leur truc. Ça devrait être vous sûr de vouloir continuer. Ça, non, pas être vous sûr de vouloir réparer. C'est con comme truc là, par contre. C'est un menu quand tu mets OK, en général, si tu mets suivant, c'est, si t'as un problème, c'est vous sûr de vouloir continuer. C'est pas être vous sûr. Enfin, je comprends pas. Absolument, je freine plus. Je freine pas assez, et du coup, la voiture. Allez, faut que je me reprenne là, je suis un peu énervé, mais forcément, ça va pas. Allez! Allez, comment elle part? Putain, je m'en pas. Là, je fais vraiment le strict minimum hein, pour tenter d'aller chercher ça. Elle tourne pas. Et là elle s'en va. Oh les merdes. Allez, remets-moi. Mais la voiture elle tourne pas. Elle tourne pas et d'un coup, boum, elle part vers l'intérieur complètement pour aller m'amener dans le grillage quoi. Oh, c'est une catastrophe. On va voir si jamais j'arrive. Hein. Allez, je vais tenter de rattraper mon retard là. Allez, bien. Je suis obligé de passer la première pour des petits virages quoi. Non mais il y a un gros problème. Ouais, c'est pas possible. Là je vais recommencer parce que honnêtement c'est vraiment catastrophique. Je peux rien faire, mais rien faire, tu rien faire avec cette caisse. Alors le but c'est quand même d'essayer de vous proposer quelque chose de sympa quoi, mais là c'est pas possible. Ah, celui-là est bien pris celui-là. Je suis désolé, je vais vraiment essayer de me concentrer un peu plus, bien piloter. Sur droite 3 sur 7, sans couper, gauche 4, sur droite 5, sans taille, 60, sur droite 4, ah ça va, pour l'instant, ça passe. Très bien. Bon, pour l'instant, c'est passé, j'ai réussi quand même à faire nettement mieux. Crête possible saut, descente, crête. Faut que je fasse attention là. Allez, c'est bien. J'ai vraiment essayé de passer proprement. Ça, pour l'instant ça passe. Ah là. Quoi? Oh, j'ai touché fort je pense à l'intérieur. Pas du juge. Allez vas-y là-bas. Ah, j'ai pas été très bon là. Il a fallu que je recommence. C'est dommage. C'est frustrant parce que j'avais vraiment du mal à piloter cette voiture. Mais je pense qu'il faut vraiment que j'essaie de me concentrer. Quitte à parler un petit peu moins pendant la spéciale. Je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse ça.
Peut-être que j'essaierai de vous mettre un petit peu de musique pendant les spéciales, parce que sinon... sinon ça risque d'être compliqué, quoi. Sinon ça risque d'être très compliqué. Je risque de... En fait, j'avais pas envie de recommencer le truc, mais honnêtement, c'est pas possible. Là, vu ce que je vous ai proposé sur les deux premiers, sur le premier rallye, et là, sur le premier rallye, sur la première partie de la vidéo, et là, je me voyais pas continuer comme ça. Donc, tant pis, j'ai recommencé une spéciale, et là, je vais me concentrer, je vais vraiment être dans la course, et puis voilà, je parlerai après. Après, quand il y a des grandes lignes droites, des machins, je peux parler, mais vraiment, il faut que je me concentre sur l'intégralité du truc. A priori, miracle. Les multiples chocs n'ont pas affecté la mécanique. C'est un miracle que la voiture marche encore. 5, 4, 3, 2, 1, allez, vas-y, feu. 3, 5, 80. Là, par contre, faut absolument pas que je touche. 5, 11, 13, sans couper, sur 3, 3. Reste au milieu, surprise. Que si je touche, je vais casser les phares. Et je serai pas bien du tout. Serre à droite sur 13, gauche 4 se resserre, sans couper, et droite 3. Vous voyez, comme ça par exemple, ça faut pas faire. Et gauche 4, sans couper, 60. 80, c'est tout. J'ai beau freiner, elle a pas voulu. Du tout. Et gauche 6, 80. Droite 5, 80 en descente. Gauche 2. Allez, c'est bien. Sur gauche 2, surprête. Et droite 4. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Honnêtement, je me mets en deux, je vais pas vite. En plus, j'utilise le frein, hein. La voiture elle tombe pas. Donc là, elle a un gros problème cette année. Allez, je me tais. Sur droite 4 et gauche 3 se prête. Sans couper, sur droite 5. En portail, 80 en descente. Attention, prête droite 5 et gauche 6, 80. 80 en descente. Gauche 3 se prête. Descente prête, en portail, descente. Bosse, bon. 100 en descente. Et crête possible saut, 80. 3, 5, long, sans couper, attention, crête, sans couper. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris pourquoi elle était autant montée. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Mais putain, ah je veux bien que j'ai un problème avec l'arrière frein. Mais je crois. Je ne peux strictement rien faire. Les températures montent. Droite 4 et gauche 3. Et droite 4 plus. Non mais c'est pas possible. Maintenant c'est pas possible. Ouais, la voiture elle est en lambeau, hein, putain. Mais... Tant pis, on va finir comme ça, je ne recommencerai pas. Allez, ah mais ça déconne, je freine, je lâche après pour pouvoir tourner, pour pas bloquer les roues, je me dis que c'est peut-être ça. La voiture elle tourne pas. Allez, vas-y, passe. Là, parce que... Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Tiens, regarde. T'as un problème, non? Ah ouais, là, ça me saoule réellement cette caisse, c'est vraiment une caisse de merde. Je comprends pas comment c'est possible. À la fin, alors certes, elle a abîmé, mais enfin, putain, ça déconne. Je veux dire, je roule doucement, je freine, j'ai regardé, au moment où je le dis, je suis à 70 km/h. C'est un virage où il l'annonce 3, donc c'est pas non plus un virage impressionnant. Mais la voiture, je tourne, la voiture, elle fait ça, elle va tout droit. J'ai pas tourné, elle va tout droit. Là honnêtement je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi la voiture elle répond si mal. Donc je pense que je vais aller en acheter une autre pour faire les autres épreuves R3. Parce que là ça sera pas possible. Bon bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Malgré ce piètre
cette piètre qualité. Après, je l'ai déjà dit dans le premier épisode, je suis pas une star du truc, donc mon but, moi, c'est de m'amuser. Là, ça a été compliqué, honnêtement, à cause de cette voiture. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, j'ai voilà, une voiture qui peut tout faire. On va aller voir un petit peu ce que je peux acheter. Allez, moi, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.